C'est une conception qui s'est inspirée vraiment de la géographie de Cadenet, de sa position sur les contreforts du Luberon, sa position vers la vallée de la Durance, et qui s'exprime à travers la géographie et le dessin de ces deux places et de la rue Victor Hugo. Le papa de Laura. Je vais faire de mon mieux. Derrière Laura, c'est difficile. Hein. On prétend que les Norvégiennes, filles du Nord en laissant chaud, et bien que les Américaines soient les souveraines du monde nouveau, on oublie tout. Sous le beau ciel de Cadenet, on devient fou au son des rythmes tropicaux. A commencé il y a 4 ans, depuis la programmation de cet aménagement jusqu'à la réception des travaux il y a quelques mois. Pourquoi la place du Tambour d'Arcole? C'était une rue, pour le savoir, à double sens. La statue, elle était au milieu, on descendait par là, on montait par là. Elle n'a jamais eu une vocation de place. Il a donc fallu la transformer pour la rendre plus accueillante pour la population d'abord, pour les touristes et les commerçants ensuite. L'une de nos priorités était de redonner au cœur du village de Cadenet toute son importance historique, son esthétisme, dans le respect de la tradition des villages provençaux et de l'environnement existant. Je souhaite à tous les Cadenétiens et les Cadenétiennes de s'approprier leur nouvelle place et je leur souhaite un bel été. Je crois que pour les générations à venir, le Tambour d'Arcole peut être fier de sa commune. Merci à vous. Plus qu'une simple place, ce lieu où nous sommes réunis symbolise le cœur de Cadenet. Je vous souhaite de très bons moments sur cette place du Tambour d'Arcole. Merci à tous. Bravo.